Salut à tous, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo spéciale. Je sais pas, tout ça, je suis en compagnie de Lia. Salut. Je suis en compagnie de Orla, Nala, tout ça, vous, ce que vous voulez. Bref, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire un genre de prank à Abdel. C'est simple. En gros, je vais lui faire croire que je veux un scooter. En fait, je le veux pas vraiment. Parce que, ouais, c'est pas encore l'âge, etc. Mais je vais lui faire croire. Genre, je vais dire, ouais, je veux un scooter et tout. Je vais passer le BSR, tout ce que tu veux. Ça. Qu'est-ce que t'en penses, Lia? Est-ce qu'à ton avis, il va y croire? Bah, je pense genre que si je lui demande sérieusement et tout, il y croit. Vu tout ce que tu lui as demandé, je pense qu'il va croire. Un scooter, allez. J'ai dit, hey, tu sais quoi, tu me passes un scooter sinon je fugue. Comme ça, frère. Bah, non, si tu dis, ouais, je vais fuguer et tout, bon, il va se douter que c'est une couille. Non, essaie, je dis pas fuguer. Essaye d'être en mode sérieux. Sérieux, frère, je dis, toute nouvelle vidéo, je vais te demander. Vas-y. Ok, go. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je compte sur vous en maximum. Commenter, partager. Mais viens, Mirza. Vas-y. Viens. Allez. Oh là là, c'est ce chien. Donc c'est parti. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est une vidéo très spéciale pour mes 300 000 abonnés. Donc Abdel, il est dans la chambre. Pardon. Un peu sérieux. Non, en vrai, c'est rien. Non, Emma. Je n'ai pas préparé, je voulais que toi vous... J'aurais dû t'en parler. Bonjour. Ça va? Aucune réaction. Bon quoi, frérot? Bien dormi? Ouais, c'est bon, tu continues ta série encore là? T'es sur un élan encore là, ouais. La série là, elle plaît aux abonnés en ce moment. La série de soi, ouais. Du coup je fais ça à mon frère la nuit. Oui, oui. Soit la nuit quand je dors comme un gros porc, ben, je lui fais ça en après. Je m'assois. Ah, ça te dérange pas? Ça va tranquille? Ouais. Je vais te demander un petit service si ça dérange pas, t'as vu? Vraiment, si tu peux me dépanner, etc. Alors? Oui ou non? Écoute. Dis pas non, s'il te plaît, en vrai, on parle sérieux. Non, parle en plus, j'ai l'âge, etc. J'ai des responsabilités. Est-ce que tu peux m'offrir un scooter? Oui. Non, en vrai? Ouais. Vas-y, arrête là, en vrai. Ouais. Mais non, mais c'est impossible, tu dis ouais comme ça, faut que tu sois ouais. Sérieux. Mais non? Si. Mais non? Si. Non! C'est bon, je t'en ferai pas là. Mais si, mais non, mais tu dis pas ça comme ça. Bah si. D'habitude, tu dis non, je sais pas quoi. Bah non. Mais non, mais tu. Vas-y, dis oui. Oui. Tu m'en fais un scooter alors. Bah oui. Vas-y, arrête là. Bah oui, je t'en ferai un scooter. Mais non, tu dis pas ça aussi facilement. D'habitude, tu dis pas oui. Allez, dégage. Regarde-moi en série. Tu dis oui. Jure. Oui. Jure. Le jour où tu seras capable de bouger ton cul pour aller faire ton OBSR, on en reparlera. Jure la tête de maman, je fais mon OBSR, tu m'offres un scooter. Inch'Allah. Mais genre, tu m'offres un petit zip, t'as vu? Tu sais, moi, je vais en profiter là. Elle est bonne la qualité ou elle est dégueulasse là? Bah, elle est bonne, pourquoi? Elle n'a pas de lumière. Non, mais elle est bien. Juste pour expliquer aux abonnés, et toi, quand j'avais ton âge, moi, mon rêve aussi c'était d'avoir un scooter à l'époque. Je l'ai pas eu, pourquoi? Parce que j'avais pas forcément de grand frère qui pouvait m'offrir un scooter, c'était mon rêve. Moi, ça me dérange pas aujourd'hui de t'offrir, quand je peux, bien sûr, et que c'est dans mes moyens, t'offrir ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir à ton âge. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir une copine, je sais ce que c'est que de vouloir un scooter, je sais ce que c'est que de pas aimer les trucs en commun, là, tu sais, les transports en commun. Ouais, bah oui. Voilà, y a aucun des jeunes qui aime attendre son bus et son tram, on est d'accord, on préférait tous avoir un scooter. Le jour où tu seras capable de bouger ton cul, le jour où tu seras capable de pas faire le con, le jour où tu seras capable d'être un peu plus intelligent, parce que je sais que le scooter, quoi, ce temps, tu vas cabrer avec. Et non, je suis pas cabré, frère. Et un jour, on va m'appeler. Ouais, monsieur Arédi, votre petit frère Momo est à l'hôpital. Alors, on a trouvé donc un bras, il était à Échirolles. Un autre bout de bras, il était à Mélan. Et la tête, elle était à Cessiné. Et ses jambes, ils étaient à Carrefour Grand Place, tu vois. Donc, tu m'achètes un scooter? T'as dit oui, hein? Non, mais Inch'Allah, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, ouais, un jour, Inch'Allah, t'auras un scooter. Non, mais bien sûr, je t'achèterai un scooter, un C4. Mais comment ça, C4? Ça veut dire quoi, un C4? Quand je pourrais, quand tu bougeras ton cul, quand tu seras un peu sérieux, je t'achèterai un scooter avec grand plaisir. Après, je vais passer mon BSR, merci frérot. Après, je te prendrai un bon petit scooter. Non, en vrai, c'était une blague. Hein. Pas trop cher. C'était une blague, c'était un prank, genre, je voulais voir ta réaction. Bah, tu l'as vu. Et elle est bonne ta réaction, donc tu vas vraiment m'offrir un scooter. Ouais, mais si tu travailles. N'importe qui des abonnés, ça aurait été mon petit frère, m'aurait dit, Abdel, tu m'offres un scooter. Non, après, c'était un prank, j'ai pas besoin de scooter. Je t'offrirai un scooter. Pourquoi je le ferai pas? Si ça te fait plaisir, pourquoi je le ferai pas? Si j'ai les moyens, pourquoi je le ferai pas? Juste sois sérieux, taffe bien, et passe ton BSR, et après, à partir de là, on en reparlera.
Maintenant, ce que je t'achèterai comme scooter, t'attends pas un nitro, frère. Des boosters et stunts, ça t'oublie. Tu vas te faire arrêter toutes les 10 secondes. Voilà. Et tu prendras un bon petit scooter pour commencer, frère. Après, on verra. Un Zip. Et d'ailleurs, pourquoi pas t'offrir ce que je vais bientôt recevoir normalement. Là. Ouais. Prêter. Ah, tu es prêté. Un scooter trottinette électrique. Scooter trottinette, j'irai en cours avec. Elle a 45 km d'autonomie et elle monte jusqu'à 60 km/h, plaque d'immatricule, lumière et tout devant. Pas là, c'est un bolide, frère. Bref, en tout cas, merci pour ta réaction, mon ami. Donc, je vais avoir un scooter. De rien, c'était vraiment chiant. Suivez les vidéos. Non, c'était une blague, voilà, c'était une blague. Voilà. Voilà, j'étais pas sérieux, putain, je rigole. C'était une blague alors. Alors, replay. Ah ouais, non, mais sérieux, c'est pas une blague. Voilà, c'est pas une blague. C'est pas une blague, genre, si je suis sérieux, tu m'achètes un scooter. Non mais oui bien sûr, non, c'était sérieux, bien sûr. Allez, remets pause. Bon la team, la vidéo a coupé. Attendez, on va enlever ce son là. C'est quoi ce son? Bon, la vidéo a coupé, comme vous avez pu le voir. Donc on reprend avec le téléphone. Un petit mot à dire pour la fin. Salut tout le monde, bonne journée à vous. Le scooter un jour, Inch'Allah. Bref, c'était Momo. Likez, commentez, partagez. Tiens, pour la vidéo là. Likez, commentez, partagez. Je compte pour vous abonner. C'était Momo. Tchuss. Game Extreme.